je me souviens qu'elle avait émis des doutes quant à sa viabilité sur le long terme. Elle sentait que le bidon avait d'importants défauts. Ce qui d'ailleurs pourrait expliquer l'étrange phénomène que vous avez vécu, ainsi que le pic de densité chirale. Vous devriez lui rendre visite, pour voir ce qu'elle en fait. Accrochez-vous. Moi, je trouve ça vraiment bizarre cet état de choses qui fait que quand ils ont envie, ils tuent comme ça ton équipement, ils te le balancent par terre en mode balai. Ouais, ils ont réussi à pas faire 90 points de dégâts. Wow.
Hello. Elle a une super arme à spectre. Ne vous inquiétez pas, elle ne meurt pas. Ravi de vous voir. Quoi? D'accord. Pourquoi t'as l'air d'avoir 5 ans, maman? S'est endormie. Elle ne peut pas le voir, mais mon corps continue à en produire. En jouant le jeu comme ça m'évite d'avoir trop mal. Elle est quoi, au juste? Sam, c'est ma fille. Et moi, je suis sa maman. Tout va bien. Elle a un lien avec moi. Elle n'est pas comme les autres échoués. Vous voyez, non? Vous êtes reliés. Voilà pourquoi je peux pas partir. Et tout un lien avec la mort qui est assez... La supercellule. Si on discute un peu entre adultes. C'est gentil. Regardez. La densité chirale quand la supercellule est apparue. Presque tout de suite après, elle est retombée à un niveau normal. L'orage a donc disparu en une fraction de seconde. Ça se peut pas, ça. Très bien, alors on va extraire les données de vos menottes pour voir. Dingue. Merci. Les marqueurs temporels entre deux espaces-temps. Le siège est en train de faire une analyse complète. Tout ce qu'ils ont comme élément, c'est le spectre de fréquence. Mais bon, s'ils font ce qu'il faut, ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé. Un nouveau pic qui râle. Elle pleure plus souvent la nuit. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. C'est pas bon, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus de chiralium. Bridget s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique. J'ai donc installé des limiteurs sur le cupidon pour maîtriser les niveaux. Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Attendez, vous voulez dire que si je continue le temps de la région, on va avoir le phénomène temporel? Ouais. Possible.
Ou à pire, un deuxième Death Stranding. Mais vous avez une solution? Bien sûr que j'ai une solution. Venez, je vais vous montrer. Il nous suffit d'introduire un limiteur dans ce nouveau Cupidon que j'ai fabriqué. Je vous en ai préparé un, puisque vous venez. Très bien, on a évité la crise. Non, on n'a rien évité du tout. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. Qu'est-ce que vous attendez? En fait, je ne peux pas. J'ai conçu le matériel, mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre. D'accord, alors je vais aller le voir. La voir. Elle s'appelle Lochne. Elle faisait partie de Bridges 1. Il faudra rejoindre la ville Roulet des Montagnes. Parfait, j'ai justement un Cupidon livré. Oh, super. C'est parfait. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais... j'ai tellement peur. Regardez-la. Peut-être que l'autre côté veut la reprendre. Ou peut-être que c'est elle qui veut y retourner. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital, j'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. J'étais coincée sous les décombres. Tout ce que je pouvais faire, c'était... attendre. Un vrai calvaire. Pourquoi elle vieillit pas? Au moins j'avais de l'air. Et de l'eau. Je ne sais pas combien de jours je suis restée là. J'ai fini par manquer d'eau et le froid s'est installé. Je lui ai donné une chance dans les décombres. Au lieu d'amener la vie dans ce monde, j'ai amené la mort. Après les précipitations, mon bébé a commencé à pleurer. Elle a pleuré encore et encore. Elle est morte. C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre. Elle m'a sauvé la vie. Et t'as toujours l'air d'avoir 12 ans. C'est jamais quitté. Je sais bien que c'est une échelle. Tu l'as
relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts? C'est une blague? Et c'est vous qui me dites ça? Vous qui avez clairement opté pour les morts? C'est pour ça que vous êtes là. Tiens, pendant que j'y pense, Deadman dit que le sang des rapatriés est différent. Je peux vous en prendre un peu? Ouais, allez-y, signez-moi à blanc. C'est toujours mieux là que pendant que je dors. Vous avez les mains drôlement froides? J'en ai que pour une minute. Voilà, c'est bon. Je vais l'analyser. Mama, vous êtes... M'en veuillez pas, Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot. Sam, ne vous inquiétez pas trop pour ce que j'ai dit sur les pics Kiro. Reconnecter le monde est notre priorité. Peut-être qu'on empire la situation, peut-être que non. Mais c'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix. Bonne chance, Sam. Sam, le terminal de livraison qui est dehors fonctionne. Vous n'avez qu'à le connecter. Je vous recontacte une fois sur place. Sam, votre objectif suivant consiste à connecter la ville relais des montagnes au réseau. Suivez cet itinéraire. Il vous conduira à une station, puis à un centre de distrib au nord de la ville. À partir de là, ça se complique. Vous allez devoir faire un détour pour contourner les montagnes. Vous voulez toujours que j'utilise mon Cupidon sur la route? Son logiciel n'a pas encore été réécrit. Ça devrait aller. Si vous connectez la ville relais des montagnes une fois votre Cupidon réparé, la mise à jour devrait circuler dans le réseau et stabiliser la connexion. Raison de plus pour vous empêcher d'arriver là-bas. Mais pour l'instant, faites avec le Cupidon dans son état actuel. D'accord. On a des nouvelles d'Amélie? Non, aucune. On ne peut qu'espérer qu'elle aille bien et continuer à avancer. C'est ce qu'elle nous demanderait. En tout cas, passez par le centre de distrib de la ville relais du lac avant de prendre la route. Et bonne chance à vous. Au fait, Sam, j'ai ajouté les plans d'une tyrolienne à votre CCP. Je me suis dit que ce serait pratique. Pour en installer une, il vous faut juste deux ancres. Pourquoi vous iriez vous embêter à franchir une rivière ou une pente raide avec votre marchandise sur le dos alors que vous pouvez l'envoyer dans les airs? Franchement, si vous voulez un petit exercice pratique, vous pouvez vous servir des ancres près de mon labo. Amusez-vous bien. La bonne nouvelle, c'est que Fragile est disponible et prête à vous donner un coup de main. Si vous voulez que Fragile vous envoie, il faudra aller dans une chambre privée. D'après ce que je vois, la ville relais du sud est la plus proche. C'est sûr que ce serait plus rapide que de marcher. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas emporter de marchandises avec vous. Il n'y a pas de matos non plus. C'est une option disponible en cas de besoin. Une option qu'on n'utilisera pas. ...80% de dégâts, hop. On va aller te chercher tes ressources. Ajouter une option tyrolienne à votre CCP. Planter quelques... Ah, ils vont m'en offrir deux.
quand même l'impression que le gros triangle là, c'est la tyrolienne de quelqu'un. C'est dingue, ces bébés sont jamais contents.
commence à avoir mal partout. Eh ben.
repiquer tout le matos de la ville. Et on va monter les routes. Oh, la première fois que je suis bloqué à ce truc. Je pensais que c'était pas possible. Bah non, c'est du matos que vous pouvez imprimer. Hein? Sam, avec l'aide du réseau Chiral, nous avons récupéré des données expérimentales. En fait, nous avons déjà fait une bête. Ce sont des balles hématiques, des munitions anti-échouées. Qui tire parti des propriétés uniques de votre... Cependant, il ne faut pas oublier qu'à chaque tir, en fonction de la situation, il peut être dans votre intérêt de repasser à des munis. Vous trouverez de plus amples détails dans la liste de l'équipement disponible. Moi aussi j'ai besoin d'un héros. Est-ce que tu peux être mon héros, petit moustachu? Je vais faire une pause ici. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos aventures et la suite de l'histoire sur Death Stranding. Je vais faire des commandes standards. Et du coup, on va pas du tout faire ça.
Allez, je vous remercie. À tout à l'heure pour la suite de nos aventures. C'est bientôt la fin de la pub. Pam 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 pam. Alors comme ça, vous jouez les chasseurs de trésors quand vous avez du temps libre. C'est drôle, je pensais que vous en aviez pas. Bon, oh, si, un petit peu quand même. Pas beaucoup. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Ah, la nuit qu'on la faisait pas, ça. C'est où ça? Relais de distribution? Relais de centre de distribution.
Plus de place. À tout à l'heure.